Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sak Mabolakay. Les États-Unis a cherché un leader. Mais les États-Unis a cherché un président. Dans mi-temps, eh bien chaos. Dans mi-temps, diffé. Dans mi-temps, crasé, brisé. Il a cherché des leaders qui peuvent guider. En fait, on dit que il y a des réactions un peu différentes de la part de monde qui a dirigé dans plusieurs cities. Je viens de constater, policiers, ça, ils ont même justement qui décidé de faire mouvement, ça, technique. Par rapport avec discrimination en signe de solidarité avec moun justement cap lever campé gagné des policiers tout qui mettaient bâton au côté qui fait des marches tout cap essayer comprendre parce que l'idée c'est que la colère est compréhensible, le dégoût est compréhensible quand il y a des événements et c'est ça en pile moun a demandé de la part du président la compréhension de cette colère tout simplement que monsieur lui-même réaction par lui c'est colère par la colère, c'est ça qu'il t'a voulu faire. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, si nous prenons un magistrat qui trouvait lui dans Washington, D.C., il dit Donald Trump, présentement, c'est un homme qui paie, qui est caché dans White House pendant qu'il quittait les États-Unis en feu. En pile, le monde a demandé, monsieur, tu as supposé faire un appel au calme, il a supposé faire un discours à la nation dans un moment, puisque il est très critique. Nous partis pour 6 jours, côté qui effectivement un peu partout, pays à tête en bas. Et en fait, ça vous pas connaître, c'est que nouvelle rapportée qu'à un certain moment de la durée, même au niveau de White House, Donald Trump avec toute famille, tu es obligé à le faire inédit en bas tête, dans le banquet. Parce que justement, tu as trop de monde dans Washington DC qui t'a venu revendiquer. Et par rapport à ça, tu es dans les déclarations, monsieur, monsieur Dibale, pour te gagner. On maga, on, en fait, nous connaissons ce grand palais, c'est maga, pour ta grand maga réunion devant White House, comme quoi pour ta faire opposition avec Mounsao. Nous avons des déclarations incendiaires, côté que monsieur parlait de il y a une grosse âme qui est capable de vider Mounsao. Donc, en pile, conseil, monsieur, il y a vraiment un problème par rapport avec, effectivement, et des déclarations incendiaires que le président a fait. Et les États-Unis, justement, là, cap crier qui besoin un leader qui a, en fait qui besoin un leader qui responsable qui pour bien calmer pour capable prendre une autre direction. Et donc lorsque en fait on a parlé de Donald Trump qui était obligé à aller dans le bunker, ça va c'est vendredi soir et qu'il était obligé de retourner après. Maintenant ça qui passé dans le moment on a parlé là c'est que gagner en pile maintenant dit en pile là en pile conseiller au niveau de White House qui exprimait inquiétude parce que dit président a blessé tête des monde qui généralement toujours qu'on marche derrière dans ça a fait il dit effectivement monsieur a blessé tête dans déclaration et ça a qu'il a fait et gagné par exemple monsieur Terrelle et Zuckerberg directeur Facebook là le directeur Facebook là dit lui-même il vraiment senti mal à l'aise. C'est pas oublier que monsieur voit tout là il voit et message là sur Twitter, il voit sur Facebook tout. Facebook dit vraiment le président mettait la mauvaise posture puisque li, normalement li gon, Facebook dit lui-même une politique côté qu'il quitte tout le monde dissolve. C'est comme quoi d'après politique Facebook là attendez bien même les ils ont terroriste a dit on va l'éclater pays il y a tel bagarre là quitter le poster. C'est ça Facebook dit il gagne comme politique. Il y a un bagarre quelque part qui irresponsable. Nous voyons que Twitter lui-même lorsque le président a parlé les commencer il va tirer monde parce qu'il a dit once the looting start, we start shooting. Il dit, on va tirer mon. Et Twitter, tu marques une étiquette sur lui pour dire ça, c'est bagarre qui a encouragé la violence, ok? Que Facebook pas le fait. Et après ça, Donald Trump te relais et Zuckerberg pour te parler avec lui. Et Zuckerberg te dit personnellement, il y a des désaccords avec lui dans tant que la bagarre là. Et il te dit que, yo mettez dans une situation difficile. Comprendre bien, c'est par rapport avec concurrence. Hein. Pas oublier que Facebook est concurrence, c'est Twitter. Ça veut dire tout le monde vient de que lui-même là, lit son coup. À la vérité, il vient de un monde qui est irresponsable. Ce genre de déclaration. Et bien que après, par la suite, tellement de monde qui dit c'est stupide, et des séries de conseils d'ailleurs qui comptent toujours frapper d'eau. Les autres disent faut montrer son montre autorité qui a mis l'autre. Il a vraiment été coup d'elle. Ou après, par la suite, monsieur était venu dire non, il n'y a pas de suggérer pour te tirer mon vrai. Vous comprenez? Monsieur qui a le DF fait un lavage. Mais après ça qui passe, l'elle vient faire lavage tout de suite,
Liban l'autre déclaration tête chargée encore. Côté qu'il dit, eh bien, li gon bon zam là, dans Wadaous, depuis au monde bagay, depuis au manque touché barrière, y a effacé au sein de choses. Il a fait face avec des séries de zam qui ne pas jamais entendu. Donc, li prend naturel. On va okay? Après ça, il vient prendre calme pour jeudi dimanche là. Et côté que dimanche, je t'ai surtout parlé de des astronautes qui, pour la première fois, ont sorti sous celle américaine pour aller à une station spatiale. Il n'y a pas de station spatiale qui vient, c'était pour la Russie. Dès qu'on a payé la Russie en Bangkok. Donc, il vient par Okunye là. C'est un partenariat NASA et SpaceX privé et public. Donc, monsieur était dit ça l'a parlé. En plus, le monde était senti au bon relief dans l'engagé. Mais la question, est-ce que Donald Trump connaissant ce monsieur, puisque est-ce qu'il n'est pas. Si, chercher le naturel, il revient au galop. C'est dans sa nature. Et tout conseiller dit, monsieur, vraiment la paix, dit Sandarelli, les indépendants. Les indépendants. Il dit, c'est pigo. Nous dit indépendants, c'est des gens qui pas jamais identifié ni démocrate ni républicain, mais avec ces gens de discours irresponsables, qui s'ivent la trouble, ils mettent la guerre. Donc, puis le monde reconnaît les indépendants, même en pays républicain, dit que. Le pays n'est pas dirigé avec ce monsieur. Hein? Là, on prend Hopkin. Nous connaissons Hopkin, c'est une pigouale de Donald Trump. Il est vraiment inquiet par ce genre de déclaration. C'est clair que les États-Unis, avec étaient déjà en crise. Hein? Étaient déjà en crise. Côté que nous avons un coronavirus hors contrôle, côté que nous avons aucun contrôle de coronavirus là, qui a monté et qui, vraisemblablement, dans deux semaines, il va venir là. Valve nous l'autre pic encore. Donc, il y a une pandémie qui n'a pas de contrôle et tomber sur une crise qui est échappée, qui est complètement échappée. Donc, quand on a parlé là, c'est que plusieurs côtés, justement, lancé National Guard, tout près dans la Tampa, gouverneur de Santi, il a activé National Guard, jeudi à même, à cause d'un connaît gagné des protestations violentes qui étaient passées, donc gagné des centaines. Qui arrivait hier soir qui arrivait Tampa et il y a gagné pour stationner et à travers des villes qui des villes côté que yo crasé yo brisé donc yo vraiment c'est yo de traîner unité ça pour supporter l'enforcement yo dans diverses façons tant qu'on a trafic en présence de paix maintenir la sécurité publique. Il gagne à peu près approximativement 150 Florida National Guard dans Miramar et gagne 150 dans Blending. C'est comme ça va aller. Donc, en fait, c'est tout côté qui a déployé la National Guard parce que la situation vraiment est bien difficile. Ok? Et donc, voilà, nous avons justement porté quelques updates pour nous connaître, pour vous montrer qui gens causé ça. Et, pas oublier pour toujours être branché et connecté. Pas oublier pour inscrire sous Palmis Akma pour la caille. C'était un plaisir.